Salut à tous, c'est EasyS Music. Petite vidéo pour vous montrer un petit lick que j'ai découvert comme ça un vendredi soir en chipotant un peu à la guitare. C'est pas un lick, je pense, pour les débutants. On est plus quand même dans des gens un petit peu avancés, c'est-à-dire qu'il y a du legato, il y a des bends, il y a des mini barrés. Donc plus après en plus l'expression qu'on a soi-même à la guitare. Et donc, je pense pas que je vais inscrire des tablatures parce que j'ai vraiment envie que ça soit une vidéo rapide et pas passer beaucoup de temps dessus. Voilà, je reviens d'une longue semaine, donc je vous montre le lick. On commence en case 10 de la corde de mi, donc la corde de E, la toute dernière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un 10. Et puis on va faire ici 7, 8 et 9. Et on va le faire en fait en legato. Donc en legato, ça veut dire qu'en gros, on joue une fois avec la main droite. Et puis on vient faire en fait bah, c'est des hammers en fait. Des hammers. 8, 9, donc c'était sur la corde de la, j'espère que vous l'aurez vu. Et puis après, on va sur la corde de Ré et on fait la même chose, 7, 8, 9. Donc c'est marrant parce que ça fait un peu une montée. Et on finit du coup la première partie du lick sur la corde de G. En septième case avec un petit vibrato. Voilà, première partie du lick. Deuxième partie, en fait, on fait un bend en case 9, un full bend, donc un full bend. On est là et on doit atteindre cette case-ci. Donc on est en case 9. Et le but, c'est quand on fait un bend, c'est d'atteindre la case ici, qui est la case 11. Donc, bend en case 9 de la corde de G. Full bend. Ça, c'est vraiment connu de tous les bluesmen, etc. Donc, full bend, je vais le faire sans jouer. En fait, je sais pas si, du coup, premièrement, mon ampli joue assez fort et si je parle en même temps, si ça bourre pas un peu les pistes. Donc, ça fait full bend, et puis sur la corde de B et la corde de E, on va faire 7-7. Très connu ça. 9, 7, 7. Et on revient ici sur un 10. 9, 7, 7. 10 sur la corde de B. C'est qu'on a un 10, on revient sur un 7, c'est un peu ça. Donc ça aussi c'est un midi lick à part entière. Donc ça fait quoi? Ça fait 10, 7, 9 sur, donc là je suis en train de descendre sur la corde suivante, donc je suis ici en G, 9, 7. Et je vais descendre sur la corde de D en 9. 9, 7, 9, 7. 9, 7, 9, 7. Et donc moi en fait je fais un mini bend. Donc
fait la deuxième partie, bend 9, 7, 7, sur les cordes suivantes. Je reviens sur la corde de B, 10, 7, 9, 7, 9, 7. Et puis on finit par des trucs un peu Hendrixiens. Donc, et là on est en sur la corde de D et la corde de G. Et je fais un mini barré. Donc ce qui se passe, c'est que avec donc mon mini barré, je suis en 7-7, je vais faire un hammer-on sur la corde de G. Je le fais un peu de manière fouillie, c'est on n'est pas obligé de le faire super proprement, c'est bien quand c'est fouillé, je trouve. Alors, la petite subtilité, c'est que mon barré descend. Et là, j'étais ici en barré sur la corde de D et G, enfin, oui, des A, D et G, et puis je descends sur la corde de A et D. Tout le lick une dernière fois. Ici, le plus important, c'est vraiment de regarder mes mains et mes explications, on va dire. Voilà, encore une fois, c'est pour des personnes un petit peu avancées. C'est pas pour un mec qui vient de toucher sa guitare. Le but, je pense qu'on peut vraiment le jouer super rapidement pour que ça donne bien. C'était un peu fouillis, mais voilà. Au niveau de la main droite, il se passe pas vraiment grand chose en fait. Hein. Il y a quand même beaucoup de legato dans ce lick. Donc, petite concentration sur la main droite, et puis le tuto il s'arrête. Constater, moi j'ai commencé ici avec le petit doigt pour être prêt en fait à faire mon legato. On pourrait commencer avec d'autres doigts, mais celui-là c'est bien. Et on peut faire plein de variantes. On peut le jouer sans médiator aussi. Ça doit. C'est vraiment pouce et index qui vont beaucoup jouer à partir de là. Ça donne un autre son. Je suis sur un ampli à lampe, donc moi j'entends la différence, mais c'est différent quand on joue avec les doigts ou ici avec les médiators. Donc voilà, petit lick de fin de vendredi, et on se dit à bientôt.